J'ai le plaisir de vous lire une lettre que j'ai reçue du ministère des Affaires municipales des régions du Québec. On m'a adressé cette lettre tout récemment et ça dit comme suit. Monsieur le maire, le 7 février 2008, vous avez été avisé que le ministère des Affaires municipales et des régions, conformément aux énoncés à sa politique de traitement des plaintes, a transmis au procureur général du Québec un dossier de plainte concernant un présumé conflit d'intérêts de votre part. Je vous informe qu'au terme de cet examen, le procureur général du Québec n'entend pas intenter de procédure en déclaration d'inhabilité contre vous. Le ministère n'a pas l'intention d'intervenir davantage dans ce dossier. Tout ce que j'ai dit s'avère vrai, il faut croire, parce que le ministère a pris la bonne décision. Ils ont eu tous les renseignements possibles. Ils ont questionné aussi nos gens ici à l'interne. Et je crois que la décision, c'était la bonne décision à rendre. J'en suis très heureux. On avait demandé des avis juridiques auparavant, oui. Il y a eu un avocat, M. Étu, je crois, qui avait donné un avis juridique, Maître Rainville aussi. Et par la suite, c'est la réponse qu'on vient d'avoir du ministère des Affaires de la Région.